Salut tout le monde, c'est Héroïque. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 Hitmarker, épisode 8. Donc j'ai voulu changer de thème, j'espère que ce petit changement de thème va vous plaire. Donc tout d'abord, comme je le fais à chaque début de vidéo, je remercie tous ceux, surtout ceux qui m'ont envoyé des Hitmarkers, c'est vraiment plaisir. Et continuez à m'envoyer des clips, que ce soit des quad feeds, sur n'importe quel Call of Duty, j'accepte tout. Et certaines personnes me demandent, regarde ce clip et dis-moi s'il y a possibilité de l'accepter. Ça sert, enfin c'est pas que ça sert à rien de faire ça, vous m'envoyez les clips et je regarderai par moi-même et si ça me plaît, bah, je l'accepterai et il sera dans le top 10. Deuxième chose, plusieurs personnes m'ont dit ouais, pourquoi tu mets pas la chaîne des joueurs dans la description? Donc oui, je vais mettre la chaîne des joueurs dans la description maintenant, mais seulement les trois premiers, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième. Donc j'espère que ça va vous plaire pour les trois premiers. Et aussi, troisième chose, quand vous m'envoyez un clip, essayez quand même de faire une description avec un titre, avec votre PSN, votre JT ou votre nom PC, avec votre chaîne bien sûr. Parce que des fois, je reçois des mails juste avec le lien YouTube. Hein. Après, c'est par politesse quand même, faut dire bonjour. Enfin bref. Et quatrième chose, je pense que tous mes abonnés ne savent pas que je possède une chaîne secondaire. Et il y a 2 jours, je crois, enfin... quelques jours, moins d'une semaine, j'ai sorti sur ma chaîne secondaire une vidéo sur Saints Row 3, donc The Third, sur le solo, une vidéo détente assez sympathique, donc je vous invite à aller le voir, de cliquer sur la notation qui s'affiche maintenant, ou le lien dans tous les cas sera dans la description, pardon, en fin de vidéo. Donc on va commencer le top 10 kill, c'est parti. En 10ème position, on va retrouver Blood X-Slide, qui est sur Subbase. Avec son intervention, il nous fait un petit noscope semi-across the map. On va revoir ça au ralenti. Hop, hitmarker. En 9ème position, on va retrouver Priskia, donc qui est sur la map Village avec le L118A. Et regardez ce qu'il va nous faire. L'ennemi est juste là-bas derrière le mur. Il va nous faire un noscope jump shot hitmarker. On n'a pas eu de chance quand même. En 8ème position, on va retrouver ITZ Visual, qui est sur la map Underground, si je ne me trompe pas, à Londres. Dans une gare, une petite gare. Et regardez ce qu'il va nous faire avec son barrette 360 noscope titanique. Donc il a bien la rage quand même. En 7ème position, on va retrouver Kha'Zix. Je sais pas trop ce qu'il va nous faire, mais il va nous faire regarder un petit 720 en sautant n'importe comment. Noscope wallbang, voilà. Et il va refaire un petit 360. Et là, hop, noscope jump shot wallbang. Il se tape les deux assistances. On t'a pas eu de chance quand même, il se fait flasher. En 6ème position, on va retrouver Wiz 561. Donc il est sur la map Argan avec son USP qui tente un whist twist illimité. Enfin. Et regardez, il voit l'ennemi descendre, il saute, hop. Et là il nous fait un tumper shot, il vise. Et wallbang, hitmarker. On va revoir ça au ralenti, regardez. Il nous zoome pour bien voir le hitmarker. Et là il nous fait un petit tumper shot, hitmarker. À travers l'aile de l'avion arrière, donc pas de chance. En 5ème position, on trouve ZikHD. Quant à lui qui est encore sur la map Afghan, je sais pas ce qu'il nous fait comme trickshot, je suis pas un PGM du trickshot, mais il nous fait un petit très joli noscope. Donc l'ennemi était sur l'aile de l'avion, on va revoir ça en killcam. Regardez, il va nous faire un petit noscope quand même. C'est assez rageant quand même quand on tente des trickshots assez sympathiques. Enfin moi je suis pas un PGM du noscope, enfin un PGM du trickshot pardon. Mais quand même il a dû rager. Donc maintenant on se retrouve à la 4ème position avec Split X Furia. Donc qui nous fait un très joli trick shot. Je sais pas ce qu'il nous fait mais hitmarker puis le tue sur MW3. Donc je vous laisse regarder ça en killcam. Donc là déjà il nous switch avec la Samtex et il nous fait un noscope. Et puis il les tue avec ses colts Akimbo. En 3ème position, donc on rentre dans le top 3, on retrouve Vegaf Kevzi. Regardez ce qu'il nous fait, hop. C'est assez rapide le clip, mais c'est assez sympathique quand même. En 2ème position, on trouve X Monster HD. Regardez ce qu'il nous fait. Il est sur PC. Il nous fait un très joli trick shot noscope across the map. Donc là, il bougeait plus. Il devait bien rager. Et en première position, on trouve Twist HD. Donc qui est carrément en début de partie. C'est assez impressionnant. Regardez ce qu'il va nous faire. Donc c'est assez connu. Mais là, il nous fait je sais pas combien de tours. Il switch, il recharge avec son USP. Et là, hop, noscope hitmarker. Et l'ennemi le tue juste quelques secondes après qu'il hitmarque. Donc on va voir ça en killcam, regardez. Hop, là, hitmarque. En plus, l'ennemi était ici, c'est vraiment assez sympathique, donc très bon clip. Donc voilà, j'espère que ce petit top 10 hitmarker va vous plaire. Si vous voulez vraiment plus de top 10 hitmarker, bah, vous m'envoyez des clips. J'en reçois assez, j'en referai un autre. Puis envoyez pas que des hitmarkers, j'accepte tout.
tout clip. Donc j'accepte l'HD et l'ASD. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter. J'aime bien répondre à vos commentaires. Surtout à l'ajouter à vos favoris. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, bye tout le monde.